peut manger les feuilletés avec la pistounade. Ben écoute, pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est une excellente idée. C'est vrai que la pistounade, l'idée, la meilleure idée, c'est quand même de la mettre sur du pain, sur des petites tartines de pain grillé. Mais très honnêtement, je pense qu'on peut très bien essayer de tremper ces petits feuilletés dans la pistounade, ça ira très bien. Alors, j'ai une autre question qui me demande si on peut conserver la pistounade. Très honnêtement, là, je parle de vécu, la pistounade, il n'en reste jamais. Bizarrement, c'est une petite chose qui disparaît très vite. Pourquoi? Je ne sais pas, mais dès qu'elle est posée sur la table, piouf, elle disparaît dans les ventres des gourmands. Moi, la première. S'il t'en reste, tu la mets dans un petit pot et tu la recouvres d'huile d'olive. Et après, tu peux la manger dans les 2-3 jours. Ça se conserve sûrement un peu plus longtemps, mais moi, je t'avoue que je suis un peu une... Comment dire? Une dingue de la conservation. Je n'aime pas conserver les choses trop longtemps. J'ai toujours peur de m'intoxiquer. Donc moi, je dis, je mange tout, comme ça.